La chimio est faite, les chiffres sont bons, ça je peux vous prendre le dossier, les chiffres sont bien. C'est la dernière chimio de Miran et il s'attend absolument pas à voir Nathan et je crois que ça va lui faire vraiment plaisir. Merci beaucoup. C'était difficile aujourd'hui ? T'as encore les yeux rouges. Plus que d'habitude. Ça va, mec ? Ça va et toi ? Ouais, super. Ouais, c'est bon. Un grand jour pour toi aujourd'hui. Merci. C'est un grand jour pour toi aujourd'hui. Ouais. Ouais, comment tu te sens? Ça va, un peu fatigué. Ouais. C'est un peu. Ça représente quoi pour toi tout ça? La fin d'un long périple. Ouais. Non, ça... Et le début d'autre chose? Ouais. Ouais. Si. On fait quoi aujourd'hui? Dernière chimio. Et là, à l'instant, tu reviens d'où? De ponction. C'est-à-dire? C'est-à-dire, donc, on m'a injecté. Un produit dans la moelle osseuse et on m'a également prélevé de la moelle osseuse pour voir si j'ai pas un retour des cellules cancéreuses. Okay. Et bah, je crois qu'on va commencer la chimio maintenant. Voilà la chose. Et voilà, c'est parti. Donc là, on m'injecte la chimio et puis je vais encore rester un peu allongé vu que je sors de ponction. Ok. Environ jusque 3h, 4h. Donc là, t'as ton téléphone, tu vas écouter un peu de musique, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tranquillement. C'est toujours utile. Là. Ouais, ou regarder des vidéos manger sur YouTube. Manger aussi, surtout. Il paraît que t'as fait un peu de muscu aussi. Ouais, j'ai commencé. Ouais. Ah, ça, les mecs, ils aiment bien faire la muscu. Hein. Ça fait toujours du bien, un peu de sport aussi. À fond. Voilà. C'est la dernière. Le plus dur, ça a été la période où il est entré en ce qu'on appelle la maintenance. Donc, c'est la période après l'hospitalisation, où là, il devait revenir quasiment tous les deux jours à l'hôpital pour une chimio. Et où il a commencé à avoir des soucis autres que le cancer lui-même, puisqu'il a fait deux chocs anaphylactiques. Il a fait un problème cérébral dû à trop de chimio. Et là, j'ai pensé que mon fils partait. Et ça, c'était la période la plus dure, et je souhaite ça à personne. Un message à faire passer, peut-être? Continuer à faire des dons au Télévis, c'est hyper important pour faire avancer la recherche. Et puis, pour les jeunes qui sont en train de se battre, continuer à se battre, justement pour ces personnes qui n'ont pas su continuer. Mmh. Oui, poche vide. La chimio est finie, oui. Terrible! Bien joué. On y est enfin. Ouais. Chimio dame. Chimio dame. Voilà, c'est terminé.